Bon, je viens juste d'arriver. Ça a été une sacrée course en scooter. J'ai mis 1h30 pour arriver jusque là. Les locaux étaient super sympas sur la route. J'ai vu plein d'enfants. Il y avait plein de sourires. Ils te tendent la main, c'est pour que tu les checkes. J'ai 30 minutes de montée à pied. Hop, that's it. Thank you. What's your name? My name is Ivan. Sorry? Ivan, sir. Ivan. Call me Ivan. Okay, then. Only 1.2 kilometers. The fog is gone. Yeah, the fog. No fog. So that's it. And no rain, I hope. Are you? Ça va être magnifique là-haut. Normalement, il n'y a pas trop de nuages. Ça va être cool. Cheers. Wow. Over there, we can see the Sardines Run. Yeah, that's yeah. It. Yeah, okay. There. Okay. So this is my road, and I think my hotel is just over there. Ça, c'est le point là où est le mec en bleu de Osmena Peak. Apparemment, c'est le point le plus haut sur Cebu. Magnifique. C'est impressionnant, putain. Ils sont tout en haut de l'île. C'était super top là-haut. J'ai eu une super guide. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you so much for coming. Yeah. Et je reprends la route. Je redescends en bas. Je vais manger quelque chose. Puis je pense que je vais direction la plage. Finir ma journée. C'était top. Décide de finir cette journée, finir ce vlog. C'était super, c'était vraiment une super belle journée. J'étais vraiment impressionné par Osmena. Je pensais pas que ça allait être aussi dingue. Et puis j'ai eu vraiment de la chance parce qu'aucun nuage, parce qu'une guide super chouette à qui j'ai vachement bien parlé d'ailleurs. Et puis vraiment pas beaucoup de touristes. Donc ouais, vraiment la bonne équation pour passer une super bonne journée ici aux Philippines. Je finis ma journée sur White Beach. C'est pas très connu ici à Malboal. Finir ma journée ici, chiller. Et voilà, ciao les gars.